Mais Lio, mais c'est quoi cette caisse? Bonjour à toutes et à tous, on est devant l'Aston Martin Vulcan, voiture d'exception. Alors c'est une voiture tellement d'exception qu'elle coûte au bas mot 3 millions d'euros. Elle est apparue en 2015 au Salon de Genève. Il n'y a que 24 exemplaires au monde de ce véhicule. Alors côté pedigree, eh ben on est sur une plateforme d'une autre Aston Martin assez exclusive qui est la 177. Châssis monocoque fibre de carbone, moteur V12 atmosphérique, 820 chevaux, moteur de 7 litres. Ça va s'entendre, je pense, quand on va la conduire tout à l'heure. Le 0 à 100 en 2 secondes 7, ça doit vous rappeler quelque chose si vous avez vu mes précédentes vidéos. Je vous laisse les regarder. Eh bien, on va tout de suite partir sur une piste face à d'autres hypercars pour 5 tours. Voilà, la livrée, c'est une livrée existante d'une écurie canadienne qui court avec Aston Martin, sur plutôt des Aston Martin Vantage. Et voilà, donc la livrée, je vous mettrai le lien sur la livrée si elle vous plaît pour pouvoir l'utiliser sur cette voiture, qu'il faut avoir un ticket d'invitation hein, pour pouvoir la récupérer. Et Dieu sait s'ils sont rares, ces fameux tickets d'invitation, pour acheter ces véhicules d'exception dans Gran Turismo 7. Allez, j'arrête de parler, on se retrouve après le générique sur la piste. Top générique! Allez, j'ai hâte à découvrir comme vous l'intérieur de cette Aston Martin en VR. Oh là là, c'est magnifique cet intérieur. Regardez la fameuse 177 qui partage la même plateforme, elle est juste devant nous. Une des voitures, je trouve, les plus élégantes qui nous est donnée par sa ligne. Cet autre Porsche aussi. Magnifique. Alors ce bruit de moteur là, est-ce que ça vous plaît? 310, 312, 323, pratiquement 330 km/h dans cette descente. McLaren F1 devant. On peut nous tasser là pour éviter la touchette. Alors on est là pour 5 tours hein, en totale immersion. Ferrari F1 Tributo. On reste sur place une Chiron, c'est impressionnant. Lamborghini Veneno, votre véhicule d'exception. Petit Enzo. C'est le paradis des hypercars, cette parade-là. Allez, on rentre dans le deuxième tour seulement. On va profiter un petit peu. De rouler avec nos concurrents. On va se retrouver seul sur la piste. Ça, on va observer et regardez, la voilà avec une autre livrée,
Aston Martin Vulcan, son énorme diffuseur arrière. On voit bien les flaps sur les côtés. On va rester un peu avec elle. C'est 918 speeder, je crois, devant. On rentre dans le troisième tour. En mode totale immersion, hein, comme vous le voyez. Et c'est très plaisant, ce genre de petite course comme ça. On est en mode balade, en hypercar, tranquille. Un 3,28 dans la descente. Je sais pas si vous vous rappelez, hein, qu'on avait fait nos défis The Duel, ça avait été un cauchemar, cette fameuse Porsche 918 à conduire, ça n'a pas du tout été un plaisir, ça je peux vous le dire. J'avais qu'une hâte, c'est que la course s'arrête. Elle est magnifique, mais alors aucun plaisir, en tout cas en ce qui me concerne, le matériel que j'ai. J'ai pris véritablement aucun plaisir. Alors, dans le quatrième tour. Allez, on va tourner avec elle, comme ça on fera la différence dans le dernier tour. Petite démonstration. Mais je sens qu'on va la retrouver, cette Aston Martin Vulcan. Ou Vulcain, le dieu du feu. Et on va voir si, justement, elle met le feu au chrono. Attention. Laisser passer notre Porsche là. On va attaquer la descente. Elle est bien lancée. J'ai hâte de la voir face à des véhicules plus compétitifs. Hein. Pourquoi pas des groupes 3, GT3. Allez, on est parti bientôt pour le dernier tour. Allez, cette fois-ci, on va essayer. Tiens, le meilleur parti.
la difficulté est au niveau difficile. Apparemment, pas dans la même catégorie de véhicules. Pourtant, c'est toutes des hypercars. Mais c'était la démo cette fois-ci, une démo de découvrir un véhicule ensemble. Que j'ai pu me procurer grâce au fameux ticket d'invitation. Et comme il n'en tombe pas beaucoup, j'ai sauté sur l'occasion parce que je voulais vous proposer ce genre de type de véhicule d'exception en VR. C'est le contenu que j'ai envie de vous proposer en tout cas. Ouais, les drapeaux s'agitent là-bas. Et voilà. Voilà la petite... petite Vulcan qui a montré de quoi elle était capable sur la piste. Voilà, ben j'espère que vous avez apprécié cette nouvelle vidéo après celle d'hier. N'hésitez pas à aller découvrir la finale de The Duel entre la Pagani Zonda R et la Lamborghini Aventador. Voilà, ça c'est pour la vidéo d'hier, et celle d'aujourd'hui, ben c'est la Vulcan, et il y en a d'autres demain. Alors eh ben merci pour vos encouragements, pour vos pouces bleus, pour vos abonnements aussi. Et je rappelle, pour tous les abonnés fidèles de la chaîne qui me suivent depuis le début, j'ai organisé un concours. Je suis en train de vous faire gagner jusqu'à fin juillet une magnifique casquette Mercedes Gran Turismo, la casquette de Lewis Hamilton, et pas des moindres. Voilà, il suffit d'aller dans l'espace et l'onglet communauté de la chaîne. Il suffit de me laisser un petit message, ça me permettra d'apparaître votre pseudo. En tant qu'abonné de la chaîne, j'en connais pas mal de vous qui me laissez des messages, donc je sais un peu qui vous êtes en tout cas. Et bien voilà, j'aurai le plaisir de faire un tirage au sort pour vous faire gagner cette belle casquette Mercedes aux couleurs d'Hamilton et de Gran Turismo. Voilà, et je précise bien entendu que c'est non sponsorisé, donc je le fais vraiment pour le plaisir de partager ça avec vous et pour vous remercier d'être là depuis le début et de me soutenir. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très très bientôt sur la chaîne. Au revoir.